Ça, c'est Elion. Repose à l'homme du Tout-Puissant. Ça, c'est Shaddai. Maintenant, deuxième verset, il utilise deux autres noms. Il dit, je dis à l'Éternel. Ça, c'est Yahweh. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu. Ça, c'est Eloi, en qui je me confie. C'est oui. Mesdames, Messieurs, salut. On a continué avec une série de messages nous sur le psaume 91 autour du thème « À l'ombre du Tout-Puissant ». Nous espérons que nous vous bénis et nous encourager pour capable suivre la série et partager avec vos amis, avec vos familles. Et ça va pour vous-même, une source de grâce et de riche bénédiction. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Tu es merveilleux, Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es redoutable. Tu es élevé au-dessus des dieux, au-dessus des hommes, au-dessus des anges. Tu es le plus haut, tu es le très haut, tu es le plus élevé, tu es le plus beau. Merci de cette grâce qui nous est donnée de partager ce moment de communion avec nos frères et sœurs en ligne. Merci parce que tu nous fais grâce de ce don, le don de la technologie. Merci Céleste Père parce que ce moyen est utilisé afin d'édifier la foi des saints et de glorifier ton nom. Nous demandons pardon pour ce que nous avons fait de mal et nous te demandons, nous te supplions au nom de Jésus, alors que la panique est générale, fais-nous la grâce d'être supplombés par l'ombre de ta grâce. Fais pour nous au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances et en ce temps de prédication, moi prier Père Saint, que tu parles à nos cœurs, à nos pensées, à nos esprits. Je prie en cet instant, ô Dieu, que tu utilises ma voix, mes mains, mon corps, tout ce que je suis et même mes gestes, de manière à communiquer à quelqu'un une parole de foi, une parole de confiance, une parole qui nous permettra de traverser ce temps de crise. Seigneur, nous comptons sur toi. Tu es notre souverain bien, tu es notre tout. Fais-nous grâce par l'Esprit Saint. Donne-nous cette parole qu'il nous faut, cette parole que nous attendons. Et fais qu'à la fin de ce service, toute bouche confesse que c'est toi qui es Dieu. Merci, mille fois merci. Et maintenant, parle Seigneur. Tes enfants sont prêts à recevoir ce que tu veux nous communiquer. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous sommes au psaume 91. Nous avons un petit temps là, pendant les jours qui viennent, parce que c'est toute une série de messages que nous avons permis de développer autour de ce psaume. Psaume 91. Et nous prenons chita, attentionnons, sous verset 2. Mais pour les besoins de la cause, nous allons lire les deux premiers versets. Verset 1 et verset 2, mais attention, nous, libéral centré sous verset 2. Mais qui ça, parole bon Dieu, a déclaré dans psaume 91. Psaume 91, moi, j'espère qu'on joigne, sous pas qu'on est par cœur, et nous allons lire les deux premiers versets. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il était une fois une planète appelée Terre. Elle n'était pas le fruit d'un étrange hasard, d'un bing-bang imaginaire, mais le produit d'une intelligence infinie, réfléchie, pensée et calculée. Cette Terre créée, organisé et aménagé par le dieu du beau, le dieu esthétique, le dieu de l'art, éclatait de mille feux et étincelait de gloire et de beauté. Un auteur chrétien définit de la manière suivante cette terre, et je cite, « Sa surface était ondulée de montagnes et de collines, parsemée de lacs et arrosée de fleuves. Ses collines et ses monts n'étaient pas, comme aujourd'hui, escarpés, raboteux, échancrés de précipices béants et de gouffres sans fond. Les aspérités de la charpente terrestre étaient recouvertes d'un sol fécond,
d'où s'échappait partout une luxuriante végétation. Pas de landes stériles, ni de fétides marécages. L'œil ne rencontrait que gracieux arbustes et fleurs délicates. Les hauteurs étaient couronnées d'arbres majestueux aux dimensions inconnues. L'air, exempt de tout miasme, de toute infection, était pur et sain. Le paysage tout entier surpassait en beauté les jardins royaux les mieux entretenus. La terre était d'une éclatante beauté. Fin de citation. Il est évident, et cela saute aux yeux, que le monde dans lequel nous vivons, l'habitat humain, n'est pas l'espace que Dieu a originellement créé. La terre est devenue un endroit hostile, un lieu d'insécurité, un espace qui ne facilite plus totalement l'épanouissement et le bien-être humain. Haïti, c'est la débâcle, la France est dépassée, la Chine est surpeuplée et l'Amérique n'est pas moins affectée. Au nord, il fait froid. Au sud, on a peur des ouragans. Dans le Midwest, c'est la menace des tornades. Et certains se demandent qui côté même monde qui vit en sécurité, qui côté monde capable de trouver la paix, où puis-je être à l'abri? Le contexte de rédaction du psaume 91 n'est pas trop clairement défini. Dans la communauté théologique savante, les opinions sont partagées même sur son auteur. Il est toutefois évident, et on peut le remarquer même à la première lecture, que le texte a été rédigé sur un fond de malheur, à l'arrière-plan de dangers, de risques et périls. L'auteur parle de filets de oiseleurs, de la peste qui ravage. Il évoque les terreurs de la nuit, la flèche qui vole le jour, la peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi. Il parle de malheur et de fléaux, de lions et d'aspic, de lionceaux et de dragons. Et on comprend dans ces énumérations que les ennemis de l'homme sont nombreux. L'homme n'a rien pile ennemi. La terre est un espace dangereux pour l'homme sur le plan environnemental. Les catastrophes naturelles frappent en fréquence et en intensité. Ils paraissent plus souvent et ils font plus dégâts. Moi, évoquer la mémoire des ouragans Katrina en 2007, Mathieu en 2016 et plus près de nous, en date d'Orient en 2019 qui a ravagé les îles et en particulier Nassau Bahamas. Vent, ouragan, inondation, tempête, tornade, tsunami, tremblement de terre. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme et nous avertissent de la menace du réchauffement de la planète, ce qu'on appelle en d'autres également le réchauffement climatique. Selon le rapport du GIEC, qui c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le réchauffement climatique est dû à l'augmentation de gaz à effet de serre, quelque chose qui est lié aux activités humaines. Il a parlé d'enjeux, des enjeux socio-économiques, géopolitiques, géophysiques, éco-épidémiologiques. Il a parlé de réchauffement des océans et d'élévation du niveau de la mer, de montée des eaux, précipitation et foudre, dégradation de la qualité de l'air, déclin de la biomasse océanique. Il prévoit des effets adverses, notamment rétroaction, extinction d'espèces, disparition d'habitats, recul des glaciers de montagne, miasme adaptatif, nanisme adaptatif, effets adverses sur la pêche et dans l'agriculture. L'environnement de la préchute est un environnement pollué, c'est un endroit empoisonné. And some are asking, where am I safe? Where I can live? And how can I win? La terre est un espace dangereux pour l'homme. L'homme ne subit pas seulement les effets adverses des catastrophes surnaturelles. Il est également en danger même avec les animaux. On estime qu'ici aux États-Unis, chaque année, à peu près 7 à 8 000 personnes sont mordues par des serpents venimeux. Et de temps à autre, ou tant des histoires, yon moun lion tué, ou bien ours tué, ou tant des comment yon alligator, ou bien yon crocodile attaqué au monde, comment yon chimpanzé frappé au monde, comment au monde mourir dans la main et poisson manger. Et comme si toutes ces menaces ne suffisaient pas, l'homme s'entretue.
Les cas d'homicide et de génocide se multiplient à travers l'histoire. La lutte entre l'homme blanc et l'homme noir n'arrête pas de faire des mortalités insensées. Ici, on parle de crimes perpétrés par les noirs contre les noirs. Les nouvelles technologies ont fait beaucoup de bien, certes, mais elles également ont apporté leur part de tristesse. Autant de parler de harcèlement sur Internet, ou ça ou les cyber intimidation. Autant de parler de atteinte à la réputation et à l'image de l'individu. On parle d'avilissement public. Homo homini lupus, l'homme est en réalité un loup pour l'homme. L'environnement de l'après-chute est pollué. Cela est devenu un espace contaminé, toxique. And some are asking, where am I safe? Where I can live? And how I can win? L'auteur du psaume 91 nous propose une réponse. Il nous dit que la sécurité n'est pas à trouver dans un espace, mais dans un être. On ne la trouve pas dans une place, mais dans une personne. Elle n'est pas à chercher dans une location, mais dans une relation. Une relation avec le Dieu du psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les deux premiers versets résument tout le psaume. Verset 1, dans le premier verset, auteur fait santé qu'il est capable de une déclaration générale et lui affirmer la protection de celui qui cherche refuge en Dieu et met en lui sa confiance. Il dit depuis ces monde qui mettent confiance dans mon Dieu et qui cherchent protection en bas elle, mon Dieu Tout-Puissant, quand on rentre, protection assurée. Aïe, aïe, aïe. C'est ça nous capable de une déclaration générale. Ce que les Américains appellent un general statement. Stay with me now. Mais dans verset 2, il y a un mouvement subtil. Il y a une particularité du psaume, c'est ça, il est présenté dans une structure dialoguée. Où dans le psaume, il y a plusieurs voix, une pluralité de voix. Et à l'énoncé, ou plutôt à la déclaration générale du verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'on voit parler et voit dit, bagage général, ça n'a pas parlé à là. Moi-même, je ne vais pas dans le cas général. Je prends peut-être pas. Et dit, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dans cette affirmation, la voix laisse le registre général pour le rentrer dans un registre personnel. Il croit dans l'énoncé du verset 1 et se l'approprie. Stay with me now. En d'autres termes, l'étendait, l'écroit, l'éprend. Aïe, aïe, aïe. Dans un contexte de malheur, de dangers et périls, l'étendait, l'étendait. Il dit, non problème. Et me senti menacé. Moi, en toute difficulté parce que autour de moi, c'est le danger. Autour de moi, c'est la menace. Autour de moi, c'est le péril. Autour de moi, il y a une situation instable. Tout me semble-t-il est déséquilibré. Tout me semble-t-il est décontrôlé. Et puis tout, il dit, pendant notre situation, ça. Et puis tout, me tendait, gon monde qui dit, gon bon Dieu, de pouvoir joindre la bonne protection. Gon bon Dieu, de pouvoir joindre la paix d'eau et puis tout dit, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En d'autres termes, j'entends, je crois et je prends. Aïe, aïe, aïe. La promesse de protection n'est pas pour celui qui entend, mais pour celui qui reçoit. Ou car qu'on somme, non, mais protection n'est pas pour vous. Ou qu'attendez somme, non, mais protection n'est pas pour vous. La protection promise devient la protection acquise quand tu la reçois au nom de Jésus de Nazareth. Et si m'te l'église, si m'te moun te là, m'te dit, garde moun qui m'en contre là, dis prends, mais pas seulement tendez, mais crois, et pas seulement crois, prends grâce, prends bénédiction, prends provision, prends protection. Depuis c'est ça le ciel là-bas, prends au nom de Jésus de Nazareth. Remède là, capable, disponible. Mais pour bénéficier de ses vertus, tu dois l'avaler. Ça fait me penser
à un chant qui dit, quand tu sondes de ta misère, quand tu dis je suis perdu, regarde à Jésus mon frère et prends-le pour ton salut. Quand tu vois, brebis errante, que pour toi tout est danger, quand l'avenir t'épouvante, quand l'ennemi t'environne, quand tu sens ton cœur plier, quand la force t'abandonne, quand la route est froide et sombre, descendant vers le tombeau, quand tu seul, quand tout seul, tu vas dans l'ombre, prends Jésus pour ton flambeau. Promesse protection, c'est pour moun qui prend. Et me senti pour me dire, sous chita bon kote madame ou la kayou, sous chita bon kote mari ou, sous chita bon kote l'église ou, dis-il prend grâce, dis-il prend bénédiction, dis-il prend salut, dis-il prend protection, dis-il prend victoire, dis-il prend délivrance, dis-il prend la vie. Aïe, 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 prends au nom de Jésus de Nazareth. Viens alors à la question, comment prendre? Et l'auteur du psaume, à dessein ou involontairement, dis-nous comment. Il dit comme ça, je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Le salut s'obtient pas dans la foi. Attendez, oui. Le salut s'obtient pas dans l'assentiment intellectuel, mais dans une confession de foi. Pour ouvrir grâce là, il y a une façon pour saisir cette protection. Tu dois confesser de ta bouche. Tu dois dire quelque chose. Et serviteur a dit nous qui ça pour nous dire. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je dis, c'est la confession. À l'Éternel, c'est la dévotion. Mon refuge, c'est la consolation. Ma forteresse, c'est la protection. Mon Dieu, c'est la relation. En qui je me confie, c'est l'attente. Aïe, aïe, aïe. Je dis, c'est la confession. À l'Éternel, c'est la dévotion. Mon refuge, c'est la consolation. Ma forteresse, c'est la protection. Mon Dieu, c'est la relation. En qui je me confie, c'est l'attente. Confession, stay with me. Dans le monde spirituel, Jean au monde range en bas protection yon divinité, c'est par la profession ou plutôt par la confession. C'est ce que tu dis avec ta bouche. Il ne suffit pas de croire dans son cœur, mais il faut aussi parler de sa bouche. C'est ça que fait Paul comprendre bien cette réalité spirituelle. Et c'est ça que fait dire en Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, pour que les promesses de Dieu deviennent tes promesses, pour que la grâce de Dieu devienne ta grâce, pour que la protection de Dieu devienne ta protection, il y a quelque chose que tu dois dire. Tu dois confesser cette grâce. Tu dois confesser ton Dieu. Tu dois faire l'entendre. Où voulait-il? Où doit-il pour le monde qui voulait tendre? Quand pas contre pour l'autre monde, mais pour vous-même, c'est bon Dieu. Ou pas contre ça l'autre choisi. Ou pas contre qui ça l'autre fait. Ou pas contre ça l'autre décidé. Mais quant à moi, je choisis de servir et de trouver ma protection, mon refuge, ma grâce, ma délivrance, ma victoire en Dieu et en Dieu seul. Gagnez au moins 3 lectures de ce psaume. We're going fast. Là où ton serviteur a dit, je dis à l'Éternel. La première lecture, c'est une lecture de résolution. C'est quelqu'un qui prend une décision. C'est quelqu'un qui fixe sa position. Son monde qui dit, moi-même, non bagaille ça, par contre ça ne me le fait, mais moi-même, décision, c'est pour me jouer une protection dans mon Dieu. Résolution pour mon servir mon Dieu, c'est un bagaille qui sortit de conviction personnelle. Son bagage qui sortit dans décision par rapport à ce que tu as entendu.
Amen. Son bagage qui sortit dans décision par rapport à l'appel de l'esprit dans ta vie. Généralement, Dieu appelle et Dieu accueille. Mais pour que l'appel de Dieu et l'accueil de Dieu soient scellés, il faut qu'il trouve un cœur qui reçoit. Aïe, aïe, aïe. Pour que l'appel de Dieu dans la vie, là, il faut sceller. Il faut jouer au monde qui est d'accord, qui dit m'a marché à Christ. Décision, c'est pour m'aller. En dépit des difficultés, m'braler. En dépit de sac présenté, m'braler. Quel que soit Jean la vie apparaître, moi-même, résolution, bam, c'est pour me servir, mon Dieu. Et non seulement, moi, dis à tête, moi, même dis à mon Dieu. Et peut-être pendant ma parole, mon Dieu, il y a un monde qui tendait. Et tout le tendait, me dit, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es le Dieu en qui je me confie. Donc c'est une première lecture. Son lecture de résolution. Stay with me now. Son décision. Mais remarquez bien, il dit comme ça. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon serviteur a utilisé trois mots clés. Refuge, forteresse, et puis tout dit, mon Dieu. Nous pourrons considérer trois mots ça rapidement. Mot hébreu pour refuge là, c'est un mot qui relait makassé. Et mot ça signifie littéralement, ça moun pa bo ici aurait les shelter. Son côté ou aller pour parer mauvais temps. C'est un abri en français. C'est un endroit qui protège de la pluie, du vent ou de la tempête. Donc, quand il y a la menace des intempéries, quand les catastrophes naturelles ou bien les éléments de la nature t'a campé et puis tout pour y avaler, ou capable de dire, et serviteur a dit, Seigneur, c'est vous-même qui refuge moi. C'est quand on m'allait, les pluies a tombé. Amen. C'est quand on m'allait, le soleil a trop chaud. C'est quand on m'allait, les neiges a tombé. C'est quand on m'allait, les vents a soufflé. Seigneur, tu es mon refuge. Mais en plus de ce refuge qui protège contre les dangers de la nature, il dit aussi, tu es ma forteresse. Ce mot, il voulait dire littéralement, ou c'est une citadelle, ou c'est un fort. C'est un endroit fortifié, côté moun allé pour défendre un territoire ou bien une ville. Aïe, aïe, aïe. Son lieu fortifié, organisé pour la défense d'une ville, d'une région. Le serviteur a dit comme ça, tu es ma forteresse. Ça veut dire, les moun ap couru de m, les djiab ap couru de m, les ennemis ap attaqué m, les démons ap m'ennuyé m. Moi seulement aller côté ou. Parce que je connais ou bas yon protection. Protection, ça pas seulement aide m dans temps facile, mais son protection qui kembe m lorsque m'attaqué, lorsque foi m'ébranlé, lorsque ennemi après moi, lorsque pas contre qui ça pour me faire, lorsque pas de monde qui pour défendre moi, moi connais en ou même moi qui en forteresse. C'est pas en forteresse petit, c'est pas en forteresse ordinaire, c'est pas en forteresse monde qu'apprend, c'est pas en forteresse monde qu'a assommé, c'est pas en forteresse monde qu'a attaqué, c'est pas en forteresse monde qu'a entré là-dedans ou fait sauver. Aïe aïe aïe, moi connais son forteresse et depuis c'est dans où me cacher, y a pas qu'à faire rien. Depuis c'est dans où me cacher, y a pas qu'à déjouer. Depuis c'est dans où me cacher, vim pas qu'à passer mal. Depuis c'est dans où me cacher, vim pas qu'à gaspiller. Amen. Je te mets fini, je te mets faire en moi, je te mets camper. Mais depuis que t'es arrivé en temps, ma vie est cachée, ma vie est protégée, ma vie est assurée. Moi je une sécurité, moi je une défense. Alléluia, béni soit l'Éternel. Tu es mon refuge et tu es ma forteresse. Depuis où je une forteresse là, depuis où entrer là, moun pa ka joindre. Maintenant, bon bagay, qu'on doit comprendre. Dans le droit international, gagne un concept, il y aurait le concept d'extradition. Stay with me now.
Concept extradition, ça, ça lié. Généralement, c'est un accord qui gagne entre deux États amis. Il n'y a pas obligé amis, selon sa expérience dans le domaine. Côté que lorsque un monde commet un crime dans un pays, ou il doit aller dans l'autre pays. Mais lorsqu'il dans l'autre pays, il y a État coton originaire là. Il doit relever l'autre pays où il cache là-dedans. Et puis, il y a demandé pour le bail. Il y aurait laissé ça extradition. Stay with me now. Mais ça me remet dans le cachet de mon Dieu. C'est que le royaume de la lumière, pas d'aucune amitié avec le royaume des ténèbres. Aïe, aïe, aïe. C'est que le royaume de Dieu, pas d'aucune rapport diplomatique avec le royaume de Satan. Ça veut dire, ennemi, on te met demander pour moi, j'enlève, bon Dieu, dis-moi, papa, you. Ennemi, on te met attaquer, bon Dieu, dis-moi, papa, you. Y aurait l'aime dans le monde invisible, bon Dieu, dis-moi, papa, you. Y aurait l'aime dans le monde visible, bon Dieu, dis-moi, papa, you. Y aurait campé à Sam pour que tu aimes, bon Dieu, dis-moi, papa, mourir. Ennemi, on campé pour le finir à même, bon Dieu, dis-moi, papa, you. Aïe, aïe, aïe. Béni soit l'éternel. Et puis c'est le bon Dieu, papa, you. C'est ça qui fait me sentir, amen, gloire à Dieu. C'est ça qui fait me sentir, serviteur dit ça, son résolution. Mais il dit ça tant qu'on requête, tant qu'on rappelle plutôt. Tant qu'on rappelle. C'est tant qu'on, deuxième lecture, son rappel. C'est tant qu'on dit, mon Dieu, souillez. Ou c'est refuge, moi. Ou c'est forteresse, moi. Et c'est où, mon Dieu. Ça, son deuxième lecture. Moi, dis en première lecture, avec Sanouélé. Et résolution. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, c'est une résolution que tu prends, ou choisis mon Dieu, et quel que soit sa privée, ou dis mon Dieu, non, mais. Mais en deuxième lecture, capable de s'adresser, il y a un rappel. Lors du je dis à l'Éternel, c'est qu'on dit, bon Dieu a changé. En fait, il y a une version qui dit, qui traduit, il n'est pas dit je dis à l'Éternel, mais dit je dis de l'Éternel. Je dis de l'Éternel. Dans ce sens, il n'y a pas seulement un rappel, mais son témoignage. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, me dit mon Dieu, Seigneur, dans mon temps, nous t'a prié. Amen. Seigneur, nous commençons l'année avec un 6 pour 6. Seigneur, nous commençons l'année avec un 2 mois à la recherche du Saint-Esprit. L'homme fait 2 mois à la recherche du Saint-Esprit. Moi plongé, amen, nos semaines de prière. L'homme plongé, nos semaines de prière. Moi plongé, nos croisades. Seigneur, songez, dans mon temps, les potos qui coronavirus, m'ta chargé, moi. M'ta chargé parce que m'te grand coup. M'ta chargé parce que m'te besoin de taille. M'ta passion parce que m'te besoin de travail. Mais m'ta chargé parce que m'te remé. Et qu'on y a même à l'arrivée. Qu'on y a même qu'on a attaqué. À mes dangers présentés. Seigneur, songez. Je déclare, c'est pour mon Dieu songer. C'est pour mon Dieu changer toute prière. C'est pour mon Dieu changer toute veille de nuit. C'est pour mon Dieu changer toute adoration. Aïe, aïe, aïe. Que mon Dieu change. Qu'elle change en New York. Qu'elle change en Miami. Qu'elle change en Georgia. Qu'elle change en Boston. Qu'elle change en Europe. Qu'elle change en Italie. Qu'elle change en France. Qu'elle change en la Russie. Quel que soit coton hier, moi déclare, c'est pour mon Dieu songer. Son deuxième lecture. Capable pas en résolution, mais on rappelle. Hier encore, je parlais à une amie de la France. Et puis, il t'a expliqué comment il a vécu un moment difficile. Et non, conversation que nous avons avant, il dit que et la bonne nouvelle en Italie, on fait la queue. Pour être capable d'enterrer les gens dans le cimetière. C'est dans la ligne qui campé pour enterrer les morts. Et que les morts pas capable de prendre les encore. Et puis tout là, peut expliquer comment les proches qui mourent de virus là et comment ça affecte. Et puis tout pendant, je suis sorti pour me comprendre. Et puis tu dis, pasteur, ouais, mais je dis, bagaille ça, non? Nous sommes fait 2 mois à prier. Alléluia. Nous sommes fait 2 mois à la recherche du Saint-Esprit. Nous avons provision, papa. Nous avons fait provision prière. Nous avons fait provision veille de nuit. Nous avons fait provision chant. Nous avons fait provision somme. Nous avons fait provision la prière. Que mon Dieu songe au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mais comprendre bien que
Ah, thank you, Lord. M'dou c'est en résolution. M'dou son rappel. Mais avant, m'entrer dans le dernier point. Avant de rentrer dans le dernier point, vous songez me dire que dans le premier verset, l'auteur a utilisé deux noms de Dieu. Le nom utilisé, c'était El Elyon, ou bien Elyon, qui c'est le Dieu très haut. Et l'autre nom que l'utilisait, c'est Shaddai, qui est le Dieu tout puissant. Celui qui demeure sous l'abri du très haut, ça c'est Elyon. Repose à l'ombre du tout puissant, ça c'est Shaddai. Maintenant, deuxième verset, il utilisait deux autres noms. Il dit, je dis à l'éternel, ça c'est Yahweh. Je dis à l'éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, ça c'est Eloah, en qui je me confie. Stay with me now. Bon, prends Eloah d'abord. Le mot Eloah, c'est la forme singulière de Elohim. Et on voit ce nom apparaître dans le récit de la Genèse. Côté du comme ça, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot pour Dieu ici, c'est Elohim, qui c'est pluriel de Eloah, qui c'est singulier. Est-ce que nous sommes avec jusqu'à présent? Donc, quand tu vois Elohim, sache que tu es dans la présence d'un Dieu majestueux. Sache que tu es dans la présence du Dieu créateur. Celui qui parle et la chose arrive. Qui ordonne et la chose existe. Donc, c'est le Dieu créateur. Et il y a une bagaille pour besoin qu'on ait. Tout créateur a des responsabilités pour ça le créer. Lorsque dit, tu es mon Dieu, c'est-à-dire Elohim, il reconnaît, amen, que ce n'est pas lui qui crée tête. Il reconnaît le monde qui crée. Et puisque le connaît, amen, tout créateur qui a responsabilité pour ça le créer, aïe aïe aïe, il dit, je vous crée responsable. Amen. C'est un coup, je suis capable de dire tout parent qui connaît, qui tout parent est dans mon sens, il y a responsabilité pour petite qui sortit dans l'aile. Toute maman qui dans mon sens, il y a responsabilité pour petite qui sortit dans son trail. C'est lui qui a dit dans mon sens, l'éternel, c'est dans son trail où je sortis. C'est vous-même qui créez, mangez dans mes rois, bouez dans mes rois, sans thème dans mes rois, protection dans mes rois, toute sa mienne est net dans mes rois. Mais pour l'autre mot, l'utiliser pour Dieu, Yahweh. Ah. Moi, Yahweh, ça, même Abraham, pas connaît. Abraham, oui. Bible a relé Abraham, amen, l'ami de Dieu. Mais moi, Yahweh, ça, Abraham, pas connaît. Nous prenons moi Yahweh ça dans la révélation, amen, que Dieu va donner, amen, à Moïse dans le buisson ardent. Là, amen. Moïse dit, Seigneur, vous m'avez pour me prendre ça, pour me retirer en Égypte, pour me mener dans la terre qu'on a fait, Joseph nous a promis. Mais là, il y a pas demandé. Qui est bon Dieu ça qui voyait là? Et comment l'irréléer? Et puis l'éternel va et la révélation de son nom personnel. Et puis bon Dieu dit comme ça. Il va dire, amen. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Ça appelle non Je suis. C'est que son expression ou pas qu'on compte pour mettre là. L'oral dans passé, lila. L'oral dans présent, lila. L'oral dans l'avenir, lila. Avant passer à dépasser, elle était là. Avant présenter, présent, lila. Et avant futur, la futur, lila. Ça me l'a dit. Avant qu'on a vu, j'étais venu, mon Dieu était là. Qu'on a vu, là, mon Dieu là. Qu'on a vu, il
bon Dieu a toujours là le même coton et la caillou dit alléluia. Tout bien au moins trois lectures. Au moins trois lectures. La première lecture, il y a une résolution. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. À son première lecture. Il y a une deuxième lecture. Il y a un rappel. Il y a dit, Seigneur, songez. C'est où que refuge moi. C'est où que forteresse moi. Et c'est vous-même qui bon Dieu. Mais une troisième lecture, stay with me now. Une troisième lecture, il y a une requête. Il y a une partie dans la forme ça. Seigneur, je dis à l'Éternel, sois mon refuge. Sois ma forteresse. Sois le Dieu de ma confiance. En d'autres termes, je dis à l'Éternel, deviens mon refuge. Deviens ma forteresse. Deviens le Dieu de ma confiance. Amen. Ça veut dire, pour un monde, n'entend ça. Ou qu'a pensé, ou fermé dehors. Ou qu'a pensé, pas d'espérance pour vous. Mais là, pour nous, le coronavirus, c'est juste un test. Devant ça, gain pour passer derrière. Coronavirus, c'est juste un aperçu. En d'autres termes, je viens là pour me dire que porte la grâce là pour qu'on ferme pour vous. Ou qu'à rentrer. Seulement ça a besoin de faire. Ou a besoin de confesser. Ou a besoin de dire je dis à l'Éternel. Sois mon refuge. Sois ma forteresse. Sois le Dieu de ma confiance. M'entendez un chant qui dit Seigneur, sois ma boussole. Ma barque est si petite et si grande est l'océan. Seigneur, l'homme est à mauvais, c'est vrai. Seigneur, va souffler, c'est vrai. Seigneur, tempête l'a gondé, c'est vrai. Seigneur, mon âme mourit, c'est vrai. Seigneur, mon prend en paix, c'est vrai. Mais sois ma boussole. Dans temps difficile, sois ma boussole. Dans temps de panique, sois ma boussole. Dans temps de danger, sois ma boussole. Dans temps de chargé, sois ma boussole. Dans temps de persécution, sois ma boussole. Dans temps, par contre, ça pour me faire. Sois ma boussole. Yes, Eloa. Yes, Yahweh. And if he is not yet your God, he can be your God. Bon, dis-le encore. Lisez, bon Dieu créé l'irresponsable. Lisez, mon Dieu, Yahweh, c'est le nom du Dieu de l'Alliance. C'est mon Dieu, l'air ou tendez, lui dit le camper avec vous. Lui camper avec vous. C'est pas le Dieu qui reculait sur ses promesses ni sur sa parole. Ça, mon Dieu t'a dit là, la fête. So, pasteur, in light of everything that you have just explained, à la lumière de toutes sortes de dias là, qui dit ce message là? Petit message le matin, c'est you will be okay. Mais ça, bon Dieu dit pour me dire, you will be okay. Mais on doit dire, pasteur, je ne vais pas dire, je dis, Seigneur, dis pour me dire le matin, you will be ok. Maintenant, comment on explique ça? Parce que Nicolas, il y a là, il tient une croisade. Il était relève pour mal prêcher. Il était relève pour me dire, il y a deux personnes qui pouvaient prêcher croisade là. Moi-même avec Pasteur Nicolas. Mais en fonction de mes responsabilités, je ne pas aller. Mais Pasteur Nicolas est allé. C'était deux semaines, il était supposé prêcher une, il était supposé prêcher l'autre là. Et puis tout là, aller pour le prêcher tous deux. Et non, aller pour le prêcher semaine là, coronavirus pour Michel Haïti. Monsieur bloqué. Yo fermé pays là. Avion pas monté. Avion pas descendre. So j'aime dire you will be okay. D'après moi, ou garde moun, bakay wa,
Marou bokoto bien madame ou faram t'a premen ou garde maman ou t'a premen ou garde si moun yo garde ou pour moi s'il vous plaît et puis tout dit yo you will be okay. So j'aime tout le bloqué. Avion pas monté. Avion pas descend. Mais parce que Nicolas Sénèque a vécu si longtemps. Ici lorsque ou fin fait 5 ans comme résident si ou pas marié avec un citoyen américain. Ou bien on fait 3 ans sous-marié avec un citoyen américain, pays a bail opportunité pour faire sa relais naturalisation. Le processus de naturalisation, c'est le processus par lequel yon moun qui fait dans l'autre pays capable de devenir citoyen dans le pays côté la vive là. Est-ce que non, ça m'a même jusqu'à présent? Yon relais ça naturalisation. Et puis tout monsieur dit, pendant le bloqué comme ça, il fait Haïti. Mais légalement, il est citoyen américain. Et puis tout monsieur dit, pendant le bloqué comme ça, il écrit ambassade là. Il fait ambassade là qu'on est. Que en Haïti, il y a un citoyen américain qui bloque. Et citoyen américain, ça veut rentrer la Kaili. Et puis tout ce ambassade là, amen. Alléluia. Songez ça me dit, you will be. Ok. Et puis tout, ambassade là écrit, monsieur. Il dit, demain, descend pas au prince, go avion. Même si tout avion pas volé, go avion qui a obligé de voler pour le vin en Haïti. Parce que en Haïti, go citoyen américain qui bloqué. Hey, 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 hey. Moi, je viens là à ma terre pour me dire. Ou à vivre sous la terre, ou faire sous la terre. Mais lorsque vous baptisez, ou rentrez dans le processus, il y aurait les naturalisations. Ou pas citoyen la terre, ou vivre citoyen le ciel. Et puis tout me tendez, l'éternel qui dit, je connais nous bloquer sous la terre, je connais pas la règle pour nous sous la terre, je connais nos dangers sous la terre. But you will be. Ok, parce que avant longtemps, c'est pas un avion qui a fini. Avant longtemps, c'est pas un ambassade de la terre qui a dépêché. Même temps de Paul dit, hey, oh, alléluia, Paul déclaré, oh, à la voix de l'archange, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Mais qui ça va venir faire sous la terre? Parce que il y a des gens qui adorent sous la terre. Il y a des gens qui prient sous la terre. Il y a des gens, même les affirmes sous la terre, c'est citoyen ciel. Jésus t'a déclaré que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh God, I know you get stuck here. Qu'on est nous bloqué. But don't you worry. You'll be okay. You'll be okay, Sendor, man. You'll be okay, Yasuko. You'll be okay, Wabi. You'll be okay. Famine can come. I'll be okay. Corona can come. I'll be okay. Unemployment may come. I will be okay. Your récession économique a vini. I will be okay. Parce que m'te font confession. Et confession, ça c'est ton résolution. Confession, ça c'est ton rappel. Confession, ça c'est ton requête. Et bon Dieu dit, don't you worry about it, son. You'll be okay. Peut-être que moun la qui peut. Peut-être que moun yo voye la kaili. Qui gon mortgage pour payer, qui gen famille pour le prendre soin.
Peut-être que le monde qui manquait la chaleur humaine, la communion des saints. Et vous demandez, what will happen to me? What does the future hold? Je me sentais pour me dire, Asoya, bon Dieu, vous me dire, you will be okay. Des fois, la douleur est tellement raide, vous ne pouvez pas well. Ou gen wap poko ka wel. But you will be okay. The church will be okay. My family will be okay. My children will be okay. Yè swa m fò rêv dwòl. Pendant m ap leve matin, m gade mwen, se mwen mèm k'ap ralon sèkèy. Li gen moun la dan. E m leve matin, m ap di madame mwen sa. Je prie sous lui, je dis Seigneur, je parle de mes rêves, ça me fait, même qu'on est, mes destinées sont dans ta main. Ma femme est dans ta main. Mes enfants sont dans ta main. Nous espérons que nous avons été bénis par le message, ça, nous encourager pour capable et continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment du côté et gens qui plus facile pour nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former monde, édifier et ainsi pour nous capables de faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guérons dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remercions, nous remercions tout. Bye bye.